La verdad es que es justo abrir nuestra casa para este tipo de encuentros. Por supuesto que quiero felicitar a nuestra exalumna, antes que nada exalumna, pasó por estas aulas, pasó por este mismo aula magna, cuando apenas tenía 12 o 13 años de edad. Con este hermoso edificio y hoy está aquí, ¿sí? Y bueno, felicitarla por este Congreso Internacional, por el primer Congreso Internacional que justamente se lleva adelante aquí y por las 29 jornadas. La verdad que para nosotros es un honor que todos ustedes estén hoy y a lo largo de la jornada. Espero que puedan aprovecharla y puedan disfrutarla. Nada más que esto, darles una cálida bienvenida a todos. Y bueno, me dejo con el doctor Frank Brunel para que empiece su conferencia. Muchas gracias a todos. Como le
Bien, on va commencer par cette citation du poète Théodore de Grandville qui, à l'occasion de la sortie d'un recueil de Victor Hugo, L'art d'être en mer, en 1877, écrivait « Il est vrai qu'en art et qu'en poésie, l'enfant date de lui et n'a commencé à vivre que dans cette langue. » Et en fait, je voudrais commencer non pas tant par évoquer cette éventuelle nouveauté du motif de l'enfant, ni même nouveauté de son traitement par Victor Hugo. Alors, je ne connais pas. Je ne suis pas prêt du tout. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Comme ça. Oui. D'accord. Donc, je voudrais plutôt commencer. Directement, en quelque sorte, en montrant comment ce motif de l'enfant, au moins, accompagne, et parfois même permet, certaines innovations poétiques et littéraires, caractéristiques de la marque apposée en ces domaines par Victor Hugo tout au long de sa carrière. Alors, on pourrait évoquer d'abord les feuilles d'auteur, ce recueil lyrique publié en 1831. Dans lequel le motif enfantin est très présent, avec notamment ce poème qui a longtemps été l'un des plus célèbres de Victor Hugo, en tout cas en France, mais également à l'étranger. Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris, son regard doux qui brille, fait briller tous les yeux. Alors, l'enfant ici ne constitue pas seulement la famille, le familial. Mais bien le familier n'est pas tout à fait la même chose. Au premier abord, l'enfant est le motif central d'une poésie du banal, ou disons des événements banals. La naissance de l'enfant saluée comme il se doit par le cercle de famille. Mais justement, cette banalité même du motif poétique est alors, vers 1830, et paradoxalement, l'une des pointes du renouvellement poétique voulu par les romantiques. Car il s'agit, en somme, de sortir de son ghetto de luxe, de son arbitraire culturel, voire de sa langue spéciale, la poésie, pour la replacer au cœur du monde, en refaire, en quelque sorte, la langue générale de l'humanité et de la société. C'est bien l'une des principales ambitions des poètes romantiques. Et l'enjeu est d'autant plus lourd qu'il entre en apparente contradiction, en tout cas en tension forte, avec une autre ambition, mieux connue du romantisme, celle du poète prophète, du poète mage, du poète situé au bord extrême de la communauté, au risque de son bannissement, même et surtout s'il parle pour la communauté. À l'inverse, l'enfant, le cercle de famille, illustre la volonté et la capacité de la poésie romantique à devenir la langue du commun. C'est bien à cet égard la forte présence du thème enfantin dans son cœur, feuille d'automne, qui justifie ces déclarations de la préface, déclaration de Hugo, donc dans la préface des feuilles d'automne, qui annonce, avec ce livre, des vers comme tout le monde en fait ou en rêve. Des vers de la famille, du foyer domestique, de la tribune. Cette idée qu'on voit émerger au moins avec la Martine et qui va continuer jusqu'à l'autre amant, par certains égards, voire au-delà, d'une poésie qui doit être comprise, pensée, pratiquée aussi comme la poésie de tous et de chacun. Des vers comme chacun en fait ou en rêve. Alors en fait, cet ancrage dans l'univers familier permet à Hugo, dans ce recueil comme ailleurs, de rayonner bien au-delà. Dans ce recueil, il y a certes des vers de la vie domestique, de l'enfance, de la famille, etc. Mais il y a aussi toute une série de poèmes sur le trajet de l'histoire, les angoisses politiques, sur la nature cosmique ou les inquiétudes religieuses. Mais il s'agit de rayonner
et non pas d'instituer des barrières, des différences de nature et genre entre les grands sujets et les sujets familiaux. L'enfant permet d'autant mieux ce rayonnement qu'il participe, on va le voir, autant du privé que du collectif, autant du familier que des identités politiques et religieuses, bref, autant du petit que du grand. Il est possible que l'enfant contribue aussi à renouveler le rapport littéraire à la nature, autre grand sujet, autre grand thème, comme on sait, pratiqué et renouvelé en partie au moins par la première poésie. Cette poésie, y compris bien sûr celle d'Hugo, elle envisage un peu sauvage, cosmique, sublime, l'envisage aussi, comme auparavant, la nature agresse, champêtre, cultivée, humanisée. Tout cela figure en bonne place dans l'œuvre de Hugo, renouvelée, certes, mais néanmoins relevant d'une continuité, d'une tradition thématique. En revanche, l'enfant hugonien va contribuer à quelque chose comme l'invention d'une autre nature, d'une nature beaucoup plus moderne, celle du jardin. Alors, non pas le jardin aristocratique de la nature pourvu par l'arbre, pas le jardin de l'autre, mais le jardin urbain, quoiqu'à demi-sauvage. Le jardin compris comme, en quelque sorte, comme nature résiliente au sein d'un univers de pierre. Le brin d'herbe entre les mains, l'arbre qui pousse quand même entre deux murs. Et ce nouveau motif naturel porte un nom dans l'œuvre de Victor Hugo. Ce nom, c'est les feuilles antilles. Les feuilles antilles, c'est le nom d'un ancien camp situé à Paris, au pied de Panthéon, en quartier latin, couvent désaffecté et à moitié ruiné par la Révolution française, et dans lequel Madame Hugo et ses trois enfants, Olivier et Victor, vont habiter pendant les dernières années du Premier Empire. Donc, en gros, pendant que Hugo a entre 5 et 10-12 ans. Or, dans l'œuvre de Victor Hugo, les feuilles antilles deviennent véritablement et pendant tout son œuvre jusqu'à la fin de sa vie, notamment dans son œuvre poétique, mais pas seulement, le nom, l'un des noms de son propre mythe familial. Le lieu du bonheur de l'enfance. Or, dans les feuilles antilles, il y a un jardin, mais un jardin qui est à l'abandon, qui pousse entre les ruines, mais tout cela entouré par les murs de la ville. C'est d'autant plus important que, comme l'a noté Claude Millet, l'espace privilégié de l'enfant chez Hugo, c'est bien le jardin. Davantage que l'école, que la famille, même si on parlera rapidement, évidemment Hugo est un grand défenseur de l'instruction publique obligatoire. N'empêche que le lieu du bonheur en fait, c'est le lieu du jardin, et c'est en particulier le lieu du jardin urbain que je viens d'évoquer à travers cette figure des feuilles antilles. Ce jardin auquel, cette nature auquel Hugo renvoie son enfance et l'enfance en général s'invente, permet d'inventer une représentation moderne de la nature en quelque sorte interstitielle, à la fois limitée, comprimée par la ville, et toujours renaissante, parce que toujours déjà là, malgré l'apparence. Avec le jardin des feuilles antilles, ce lieu mythique de l'enfance moderne, Hugo invente une certaine poésie moderne de la nature, dont par exemple un recueil comme L'herbe des talus de Jacques Reda, publié en 1984, constitue un vigoureux. Même si je doute que Jacques Reda se soit placé sous la tutelle de l'autorité de Victor Hugo. Alors, ce renouvellement des tons et des thèmes s'accompagne dans la poésie lyrique et romantique, pas seulement de Hugo, d'autre part, d'une sorte d'explosion des situations énonciatives. Il va dès là rappeler fortement, je le cite, loin que la priorité nouvelle donnée à l'intime conduise, selon l'idée reçue, à une hypertrophie du moi, la poésie romantique ne cesse de jouer avec une liberté inconnue jusque-là, dénonciateur variable et d'allocuteur multiple, transgressant sans la moindre peine l'opposition de l'animé et de l'inanimé, comme de l'abstrait et du concret.
Ça parle dans la poétique grecque antique, ça parle beaucoup à toutes sortes d'interlocuteurs et à toutes sortes de choses, y compris des choses qui ne sont pas pourvues du trépas, des éléments de la nature, des idées abstraites, ou bien entendu des morts. Et chez Hugo, l'enfant est l'un des vecteurs privilégiés de cette mobilité énonciative, de cette tendance à dramatiser en quelque sorte l'acte de langage, et surtout l'adresse au sein du poème. Car l'enfant n'est pas seulement dans sa poésie celui dont parle le poète, mais aussi celui à qui il parle. Au-delà, et souvent, cet enfant, figure de l'enfant, la figure qui incarne l'absence radicale que le poète tente de conjurer. Les poètes romantiques ont souvent parlé aux morts. Hugo, lui en particulier, a peut-être privilégié pour allocataire, l'enfant mort. On connaît les poèmes consacrés à la figure du poète, qui porte accidentellement au seuil de l'âge adulte. On connaît surtout celui-ci, peut-être, pour la simplicité de ton est si forte, parce qu'elle semble être à même de conjurer l'absence, établissant dans l'espace du poème la possibilité d'une relation de parole étonnamment familière, malgré la mort, par-delà la mort. C'est le fameux « Demain, dès que l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne peux demeurer loin de toi. » Au moins aussi forte, quoique différemment, l'irruption dans certains poèmes de cet interlocuteur absent est convoquée à la présence par un poète qui dit tout. Dans des discours dont rien ne laissait attendre, cette présence virtuelle se tue en quelque sorte disponible. Ainsi, dans cet autre poème des contemplations, où Ennie lui dit oui, si, je suis venu, j'ai vu, j'ai vécu. Allusion ironique à la fameuse devise triomphaliste de César, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, je suis venu, j'ai vu, j'ai vécu. Et en latin aussi, on va dire je suis mort. Le poème qui dresse une sorte de bilan mélancolique d'un homme accablé par la fatigue de vivre, dont je cite trois strophes. J'ai bien assez vécu, puisque dans mes douleurs, je marche sans trouver de bras qui me secourent, puisque je mise à peine aux enfants qui m'entourent, puisque je ne suis plus réjoui par les fleurs, puisqu'au printemps, quand Dieu met la nature en fête, j'assiste, l'esprit sans joie, à ce splendide amour, puisque je suis à l'heure où l'homme fuit le jour, hélas, et sans de tout la tristesse secrète. Puisque l'espoir serein dans mon âme est vaincu, puisqu'en cette saison des parfums et des roses, ô ma fille, j'aspire à l'amour où tu reposes, puisque mon cœur est mort, j'ai bien assez vécu. Alors, certes, l'accident biographique, la noyade accidentelle de Léopold Hugo le 4 septembre 1843, explique en grande partie le statut spécifique de l'enfant dans son rapport poétique au mort. À la mort de la mort. Mais pas totalement. Et la meilleure preuve, c'est ce poème de 1831, à nouveau dans les feuilles d'automne, et adressé à une petite fille bien vivante, cette fois, Léopoldine encore, à 8 ou 9 ans. Poème intitulé La prière pour tous. Un poème dont le statut, somme toute, assez étrange, puisqu'il se présente comme, plus ou moins, je dirais, le prétexte d'un poème serait frais, efficace, qui serait une prière universelle, mais que le poète demande à l'enfant de proférer, parce que lui-même en est incapable. Ce n'est pas à moi, maintenant, de prier pour tous les mortels, pour les vivants dans ma foi tombe, pour ceux qu'enferme la tombe, cette racine des souffrances. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas moi, dont l'âme est faible, pleine d'erreurs vides. Prierai pour la race humaine, puisque ma voix suffit à peine, Seigneur, à vous prier pour moi. Or, les principaux allocuteurs et bénéficiaires de ce
poème prière qui est en quelque sorte délégué à l'enfant, bien ce sont les morts. Prie afin que le Père et l'ange et les aïeuls, qui ne demandent plus que nos prières sœurs, tressaillent dans leur tombe en s'entendant nommer. Sache que sur la terre, on se souvient encore, et comme le sillon qui sent la fleur éclore, sentent dans leur œil vide une larme germée. Dès ce poème, l'enfant vivant, indépendamment de sa mort personnelle, est institué par vous en intercesseur privilégié entre l'individu et l'univers, entre les vivants et les morts, entre ce monde et l'autre. Et nous reviendrons sur cette capacité d'entre-deux ontologiques, en quelque sorte, propre selon vous à l'enfant. Alors l'enfant, c'est aussi le mouvement, voire un langage. Avec le romantisme, toute une part de l'écriture s'est évertuée à rendre compte de la diversité des voies du monde et de la société, à côté de la norme et du bien-dire. Et ce, au moment même où se mettaient en place les instruments de normalisation des langues nationales. Types de langage, parlés régionaux, accents étrangers, langues spéciales des métiers et des milieux sociaux, tout cela, avec dialecte et sociolecte, fut transcrit tant bien que mal en littérature. On sait notamment l'intérêt que nous porta avec d'autres écrivains, comme Balzac ou Jensen par exemple, à l'art romantique. Mais Hugo tenta aussi, et c'est plus rare, de transcrire la langue de l'enfant. Au-delà de cet effet charmant, un peu mièvre, selon certains, il faut être, je crois, sensible au caractère assez radical, et sans doute assez impossible pour vous, de l'entreprise, écrire le langage de l'infance. Le langage de celui qui ne parle pas encore vraiment, celui qui n'est pas encore entré de plein pied dans l'univers symbolique du langage. Alors on peut citer ce passage du roman 93, auquel j'aurai l'occasion de revenir plus tard dans une conférence. Dans un qui met en scène trois petits enfants, deux garçons, 4 ans et 3 ans, et une petite fille autour de 18 mois, et manifestement, au moins du point de vue linguistique, c'est cette dernière qui intéresse surtout le narrateur. Je cite. Georgette braqua son doigt sur les hirondelles et cria « Coco ». René-Jean la réprimanda. Mademoiselle, on ne dit pas des cocos, on dit des ozo. Zozo, dit Georgette. Et tous les trois regardèrent les hirondelles. Puis, une abeille entra. C'est une bête, dit Crozet. Non, repartit. Mouche. Muche, dit Georgette. Georgette restait assise, disant de temps en temps un mot. Georgette ne faisait pas de phrases. C'était une penseuse. Elle parlait par apophthegme. Elle était monosyllabique. Au bout de quelques temps, néanmoins, l'exemple la gagna et elle finit par tâcher de faire comme ses frères et ses trois petites paires de pieds nus se mirent à danser, à courir et à chanceler dans la poussière du vieux parquet de chêne poli. Grave regard des bustes de marbre auxquels Georgette jetait de temps en temps de côté un œil inquiet en murmurant les momos. Dans le langage de Georgette, un momo, c'était tout ce qui ressemblait à un homme et qui pourtant n'en était pas un. Les êtres n'apparaissent à l'enfant, mais les fantômes. Ici, le langage de l'enfant est régulièrement commenté par le narrateur qui suggère, à travers ce pittoresque charmant, ses étranges potentialités poétiques, voire ontologiques. Et d'ailleurs, la voix de l'enfant, mais ça ne logique pas avec ça, sont simplement présentées, sans filtre, mais en vers. Alors on peut songer à plusieurs poèmes de l'art d'être grand-père, qui laissent la parole à Jeanne et Georges, les petits-enfants du grand-père poète. Mais je préférais citer ici, peut-être parce que c'est moins connu, une scène d'une petite pièce en vers écrite durant l'exil, recueillie dans le théâtre en liberté, intitulée La grand-mère. Alors c'est en fait la mise en scène d'une mise en scène, celle d'un jeu d'enfant entre Cécile, 7 ans, Charles, 6 ans, et Adèle, 1 an. Là, j'attends préciser sur la liste des personnes. Où l'on perçoit, on ne perçoit pas au passage que la
théorie du genre, contrairement à ce que croient ses profondeurs en France en tout cas, n'est pas forcément une nouveauté exotique importée des États-Unis pour empoisonner le cerveau de Tchernobyl. Cécile, écoute, amusons-nous, empressement de petit chat. Nous jouerons à la dame qui reçoit un monsieur. Vois-tu bien, tu seras la dame. Je ne puis être la dame, moi. Pourquoi ? Puisque je suis un garçon. C'est égal, je te dirai, madame. Mais pour être une dame, il faut être une femme. Je suis un homme, moi. Mais qu'on te dit, cela ne fait rien. Tu seras la dame. Tiens, voilà. Je descends de cheval auprès de la fenêtre. Moi, je suis le monsieur. Toi, tu ne peux pas être un monsieur. Je voudrais savoir votre raison. Quand on est une fille, on n'est pas un garçon. Est-il brute ? Un monsieur qui s'appelle Cécile. Je mettrai ton chapeau, ce n'est pas difficile. J'entre dans la cour. Toi, tu dis, il est fort bien, ce jeune homme. On aboie, et qui fera le chien ? Adèle. Adèle ? Oh non ! Pourquoi donc, monsieur Charles ? Elle ne parle pas. Bête, est-ce qu'un chien parle ? Elle aboiera. Vers Adèle et se penche. Waouh ! Adèle. Waouh ! Cécile se redressant à Charles. C'est aisé. Non. Pourquoi ? Parce qu'il me déplaît d'être la dame à moi. Je te dirai, ce chien, madame, est-il à vendre ? Non. Le vilain enfant ne doit rien comprendre. Je ne vends pas ma sœur. Mais c'est le chien ! Non. Si. Alors, waouh ! Est-ce du langage ? Cela fait partie d'un Alexandrin de Victor Hugo. Enfin, l'enfant, quand il devient un personnage de roman, permet souvent de révéler, de souligner et d'accentuer l'une des principales spécificités de l'écriture romanesque de Victor Hugo, son goût pour la discontinuité narrative. Les grands romanciers français du XIXe siècle, Balzac et Stendhal, peut-être plus encore Flaubert ou Zola, recherche une narration homogène, souvent concentrée, où les accélérations même du récit vont rarement jusqu'à la déchirure, et qui maintiennent ainsi une certaine logique identitaire des personnages. Hugo, au contraire, privilégie souvent l'éclatement, l'effet mosaïque, les ruptures d'énonciation, l'étoilement des points de vue, les digressions et les micro-récits abandonnés à peine ébauchés, la multiplication des personnages disparaissants. Reprendre l'expression, c'est juste, de Guillaume. Et il aime les ellipses narratives, les trouées temporelles dans la trame du récit. Or, au moins dans le cas, l'homme guéri, et surtout dans Les Misérables, ce sont les personnages d'enfants qui donnent toute sa force, toute sa puissance à ce choix de l'ellipse narrative, jusqu'à mettre en danger volontairement l'identité des récits. Car l'enfant change, il mue, sans comparaison aucune avec les transformations apportées par le temps à l'adulte. Ainsi, dans L'homme qui rit, le lecteur fait d'abord connaissance avec Gwynplaine alors qu'il a 10 ans, et avec Déa, qui est encore à la mamelle de sa mère morte de froid dans la terrible tempête de neige. Mais après leur sauvetage par Ursus, le lecteur les retrouve, sans condition, jeunes adultes. L'effet est plus marqué, plus souillé encore dans Les Misérables. Du reste, l'auteur le désigne lui-même par le choix d'un titre de chapitre du livre 3, titre plaisamment métatextuel, beaucoup de titres métatextuels dans Les Misérables. Ce titre est suivant, Le petit qui criait au tome 2. Et en effet, dans l'auberge de Montfermeil, quand Jean Valjean se présente, le dernier né des Thénardier, braille, et ce petit qui est alors presque réduit à un détail sonore, bien à présent, c'est Gavroche. Mais c'est surtout sa sœur adoptive qui figure dans ce roman l'éclatement individuel du personnage. En effet, Cosette est présentée au lecteur, d'abord, fugitivement, comme un adorable bébé rose et blond, noyé dans la dentelle, adoré par sa mère. Puis, c'est l'épisode et l'avatar, en quelque sorte,
puis comme une bourre aux galines de mutants exploitée et martyrisée par les Thénardier, avant d'être sauvée et brièvement entourée des soins austères d'un Jean Valjean qui l'a mis en deuil de sa mère. C'est ensuite une adolescente qui a reçu une bonne éducation pour un mouvement parisien, plutôt laide, mais que la puberté transforme en splendide jeune fille, métamorphose, tarée, dans un chapitre dont le titre seul fait rêver, la rose s'aperçoit qu'elle est une machine de guerre. Et très vite, elle devient une femme amoureuse, ne boudant pas son plaisir d'aimer et d'être aimée, y compris physiquement, pour relire la scène de Rolvaille de Dos par Joseph Cosette, c'est plaisant. Et bien sûr, quitte à prendre du même coup sa part de l'égoïsme des heureux, aussi comme le dit un titre, les misérables, pitié pour les malheureux, mais indulgence pour les autres. Dans ces conditions, comment, à la lettre, reconnaître Cosette? Cosette, la petite chose. Comment, pour reprendre la notion forgée par Paul Ricoeur, appréhender en elle une quelconque identité narrative? Bien sûr, cette difficulté relève des aléas extraordinaires, affectifs autant que sociaux, de l'histoire forgée pour ce personnage. Et pas seulement, elle relève aussi, plus simplement et beaucoup plus généralement, de la nature de l'enfant, de sa capacité première, banale autant que mystérieuse, et dont la banalité occulte le mystère profond, l'enfant grandit. Appliquée à l'enfant, l'ellipse narrative, en quelque sorte, décarte ce mystère, le rend tangible et révèle brutalement toutes ses conséquences sur la notion même d'identité individuelle. Depuis le grand article de Proust sur le style de Flaubert, on a beaucoup rêvé, sur cette fameuse phrase de l'éducation sentimentale, juste après l'occasion du coup d'État du 2 décembre 51, il voyagea. Mais cette accélération vertigineuse du récit qui confine à l'ellipse de la vie même du narrateur flaubertien ne désigne qu'un temps vide d'expérience réelle et introduit en fait à une sorte d'épilogue où nous retrouvons les principaux personnages, Frédéric Moreau, Marie Arnoux, Delaurier, vieillis certes, mais changés si peu. Nous les refaisons, nous les reconnaissons, ils sont en quelque sorte fidèles à nous. Tout autre, par sa portée et ses effets, cette autre phrase minimale qui clôt cette fois la deuxième partie des Misérables, une fois relaté l'épisode suivant, Cosette grandissait. Cette clôture, c'est d'ailleurs le titre du chapitre, allusion d'abord à la clôture conventuelle, est en fait déjà contredite par cet imparfait duratif de la petite fille qui grandit. Et cette ellipse de plusieurs années, loin d'annoncer un épilogue, est d'abord l'occasion de la relance au roman qui, notamment à travers l'histoire de Marcus, dans la troisième partie, va aborder le fond de thèmes politiques. Surtout, au sortir de cette ellipse, nous ne reconnaîtrons plus Cosette. Et cette altérité du personnage n'est pas seulement celle sociale qui en elle à la fois sépare et conjoint misère et bourgeoisie. Cosette, d'abord parce qu'elle est un personnage d'enfant, est sans doute le personnage, l'éclatement narratif dit le mieux, la mise en question par le mot de la cohérence et de l'identité individuelle. De ce point de vue, on ne peut guère à comparer qu'un autre personnage du même roman, dont pourtant le texte dit qu'il a été précisément privé de son enfance, et ce personnage, bien sûr, c'est Jean Valjean. Comment reconnaître le bagnard
peut-être plus clair, en fait, que son statut initialement fait. Alors, pour évoquer la dimension poétique et littéraire du type de l'enfant, vous l'avez vu, je suis parti du familier, du foyer, de ce cercle de famille qui figure aussi, disons-le, moi dans ces années 1930, le cœur social du lectorat. Mais pour évoquer l'enfant comme question sociale, alors il faut nous porter directement aux marges de la société du temps. L'enfant social, si j'ose dire, chez Hugo, c'est d'abord l'enfant de la maison. Avant comme après, etc. Cet enfant social, c'est l'enfant de l'abandon et de l'exploitation. L'enfant livré à la rue et l'enfant. Totalement abandonné qu'il ne reconnaît même pas son fils lorsque celui-ci apporte une aide décisive à son évasion. Cosette, dont le père de la bière s'est étudiant vieilli, bourgeois de province, devant retourner prendre ses fonctions chez lui, organise avec trois de ses congénères la fête et la bonne blague, à l'issue de laquelle tous quatre des quatre étudiants laisseront tomber leur maîtresse parisienne et populaire. Mais, c'est bien bizarre qu'on à ce point, hein, notamment la plupart des adaptations télévisuelles, cinématographiques, romans, l'oubli. Abandonnant Fantine, Tholomyès n'abandonne pas seulement sa maîtresse. Il n'abandonne pas, comme le laisse entendre la plupart en fait, des adaptations, comme s'il fallait adoucir le fait, une jeune femme enceinte de ses œuvres. Il abandonne sa maîtresse et sa fille. Alors, texte très clair, absolument explicite. Quand Tholomyès abandonne Fantine, Cosette a un enfant. Alors quant à l'enfant exploité, l'esclave des machines, on en trouve l'image, par exemple, dans un poème célèbre des contemplations mélancoliques, qui n'est pas consacré exclusivement d'ailleurs à ce motif. C'est un motif